Salut à tous, ravi de vous retrouver pour les trois tuyaux. Cette fois-ci, on prend la direction d'Auteuil sur la butte Mortemart et ses obstacles pour une réunion sportivement très intéressante. C'est parti! Allez, c'est parti les amis, on commence avec mon coup sûr Awaï Duberlet qui défendra sur les balais d'Auteuil les couleurs de la casaque de la succession de Magalen Boyan pour l'entraînement d'Arnaud Chaillé-Chaillé. La dernière fois dans le groupe 3, le prix d'Indy, elle a fait une très bonne course. Malgré une faute dans le parcours, elle est revenue sur Kirov et a pris une bonne deuxième place derrière Golden Sun qu'elle retrouvera notamment au départ de l'épreuve. C'était une rentrée, très bonne rentrée. Attention, on va pas être loin de la vérité, c'est une base absolue dans cette épreuve. On poursuit avec mon coup de poker et c'est Srelig Gunn qui, dans le prix Georges Courtois la dernière fois sur 4400 mètres, la distance qui nous intéresse, a littéralement déposé l'opposition comme lors de ses plus belles années à 4 ans notamment où il avait décroché une victoire au niveau groupe 1. Il est en pleine forme en ce moment. Il a l'expérience pour lui face aux jeunes, à mon avis, dans cette épreuve, c'est une base absolue. Il retrouve en plus les steeples pour l'occasion. Attention. Allez, c'est parti, on poursuit avec mon coup de foudre et c'est le petit Nice qui vient de faire une bonne sortie à Auteuil dernièrement. Il a fait une faute au bout de la ligne d'en face. Il s'est bien rapproché entre les deux dernières haies. Il a pris une bonne troisième place pour finir. Peu sont ceux, c'est vrai, qui croyaient en ses chances ce jour-là. Et je crois que dans ce prix Jean Granel, il peut, à mon avis, aussi très bien faire et refaire parler toute sa classe. Voilà, c'était mes trois tuyaux pour Auteuil, les amis. Profitez bien et surtout, bon jeu à tous.